Madame, mademoiselle, monsieur, bonsoir et bienvenue pour ce match. On est ravis de vous retrouver pour ce nouveau rendez-vous football dans un stade qui a de nouveau fait le plein. Un petit point météo, il se pourrait qu'il pleuve pendant cette rencontre, ce qui pourrait être synonyme de ballon qui fuse et qui accélère. C'est un enfer pour les gardiens, ça on sait, mais ça peut donner plus de spectacle pour vous, les téléspectateurs. Ce stade est superbe, c'est émouvant de se retrouver là. On part donc sur trois joueurs devant. Darren, votre analyse? Dans ce système, beaucoup repose sur le mobilité. Quand des attaques sont centrées, on peut écarter davantage le jeu. Et l'inconvénient, c'est que les milieux ont plus de terrain à couvrir. En plus, ils doivent régulièrement couvrir les montées des latéraux. Il faut donc être attentif et avoir un sacré coffre. Le match commence. Chang, le bon ballon. Chang. C'est joué long. C'est bien, la passe à 10. Il faut essayer d'être plus dangereux. Ça joue long. Bonne intervention. Il y a peut-être un coup à jouer. Oh, la grosse occasion. Tente sa chance. Aucun danger pour le gardien. La défense avait l'air vraiment vulnérable sur cette action. Ils n'ont pas trouvé de réponse à ces dribbles. Et ce ballon sur l'aile. On joue sur l'aile, il est servi. Ce ballon dans la boîte. Il faut s'appliquer sur ce genre de centre. Il y avait pourtant plein de joueurs. Attention, la frappe. Et un tir. Très beau. Quand on a une aussi grosse occasion, il faut la mettre au fond. C'est mal joué de sa part. Il écarte sur l'aile. Bruges qui a l'avantage de la possession mais ne parvient pas pour l'instant à se montrer vraiment dangereux. La longue passe peut y aller. But de Bruges. Ça c'est du jeu collectif. Il passe de défense en attaque à 100 à l'heure et au but, il y a but. Le jeu reprend, ça fait 1-0. Il mène au score, maintenant il ne faut pas laisser l'adversaire revenir. Il allonge le jeu. Ah, c'est dommage, c'était un contre bien mené, mais ça n'a pas suffi. C'est joué dans l'espace. Il est passé. Oh, la frappe!
2-0, le break est fait, on est reparti. Ils sont dans un gros temps fort. Attention, ça pourrait faire très très mal. Ça n'a pas pu aller plus loin. Long ballon dans le sens du jeu. Lang, le ballon dans la profondeur. C'est joué long. Oh, la frappe ! Envoyé par la barre. Bonne intervention, il y avait danger. Bonne intervention, ça pouvait créer le danger. Dans l'espace. Il a de l'espace. Il cherche la profondeur. Et ce ballon vers ses attaquants. Il progresse encore. Il récupère le ballon, c'était un bon pressing. Il récupère le ballon. Bon service dans la profondeur. Ça joue long vers l'avant. Dormer qui a donc offert un but à son coéquipier. Il allonge vers l'avant. Belle passe lobée sur l'aile. Chang. Bien joué à droite, il faut aller vite. Oh, bon tacle. Le marchand qui cherche la profondeur. C'est la fin de la première période. Certains joueurs ont l'air fatigués. La pause va leur faire du bien. On a eu une bonne entame avec une équipe sérieuse qui a visiblement bien appliqué les consignes du manager et qui est logiquement récompensée avec ses deux buts d'avance. Et ce n'est peut-être pas terminé. Ils ont peut-être fait le break avec ce score de 2-0. Bien, le jeu a repris, vous l'aurez déjà constaté. Encore une récupération de balle. Lang. Il peut frapper. Bon dégagement. Et la touche maintenant. Oh, il y avait danger, mais il a bien jailli. Lang en retrait. Quelle passe. Ça peut être extrêmement dangereux. Il joue en profondeur. La bonne passe. Il n'était visiblement pas sur la même longueur d'onde que son coéquipier. Le Royal Antwerp qui semble contrôler l'avancée adverse plutôt que de chercher à récupérer le ballon plus haut. Vous avez raison, Grégoire. J'ai même l'impression qu'il se méfie énormément des courses dans le dos. Une passe en profondeur est si vite arrivée, vous le savez. Chong. Dans la profondeur. La passe est tirée là. Ils comptent désormais 3 buts d'avance. Leurs adversaires sont KO debout là. Et quand on lui offre autant de liberté, ça se termine souvent comme ça. Il savait exactement quand et comment cette passe allait être jouée. Ses coéquipiers se comprennent, mais à la perfection. C'est reparti, le score est maintenant de 3-0. S'il le trouve, bonne interception, il y avait danger. Alors que les premières gouttes commencent à tomber, une très longue passe. Va-t-il en profiter ? C'est joué dans la profondeur. Quelle occasion, attention ! Et c'est un but ! Le résultat est déjà assuré, mais il continue ! Ils ont été très rapides et décisifs à la récupération du ballon. Voilà, c'est comme ça qu'on mène une contre-attaque.
le Royal Antwerp qui procède à un changement dans cette rencontre. Et désormais, ils ont l'air intouchables. Oui, ils dominent franchement en ce moment et ça devient très compliqué pour l'équipe en face. Bien servi. La passe dans la profondeur. Oh, quel geste! Mauvaise intervention, faute là-dessus. Et il prend donc un carton jaune. Il conteste le carton, mais pas sûr que ça serve à grand-chose. Il y a vraiment eu une mauvaise communication entre les défenseurs, là. Il ne faut pas se mettre dans de telles situations. Ça vous met en difficulté. Et la tête! Quel sauvetage! Oh, il va s'en vouloir, c'était une grosse occasion. Dans la profondeur. Il s'impose physiquement pour récupérer ce ballon. C'est joué long, c'est dangereux. La passe en retrait vers son défenseur. Ils sont bien concentrés, regardez ça. Encore intercepté. Il remporte son duel. Il saute le milieu de terrain directement vers ses attaquants. Il y va tout seul. Il frappe ! Oh, ça a touché la transversale ! Un peu d'oxygène pour sa défense. Et le bon dégagement. Allez, ça doit faire but ! Oh, j'en connais un qui attendait ce ballon. Quelle frustration quand même ! Bocani. Ça joue à gauche. C'est reparti, ils peuvent contrer. Dans la profondeur, bien vu. Allez, jusqu'au bout. Bel arrêt. Utilise les forces de son effectif. Et c'est pas surprenant, il avait l'air de tirer la langue. Un peu de sang frais, ça va lui faire du bien. Et ce sera pour personne. Bon ballon dans la surface de réparation. Le ballon dans la profondeur. Et il jaillit pour prendre ce ballon. Le gardien dégage, loin. Bien joué, ses passes en profondeur sont toujours dangereuses. La bonne anticipation du gardien. Et ça y est, le coup de sifflet final de l'arbitre. Aucune contestation après cette victoire. Une véritable démonstration offensive aujourd'hui. C'est l'heure du bilan. Qu'avez-vous pensé de ce match? Ils ont encore démontré que le chemin le plus court pour marquer, c'est de passer dans l'axe. Eh oui, mais bon, encore faut-il avoir les joueurs pour le faire. Merci Darren de nous avoir éclairé tout au long de cette rencontre. Très belle soirée à tous. À très bientôt. Salut. C'est toujours un plaisir partagé.